C'est l'intérieur qui est bien conservé, ouais. Mais l'extérieur, enfin, ça a pris un coup, quoi. Ouais, c'est vrai. L'intérieur, franchement, c'est top de bien conservé. Anaïs et Tania sont collégiennes. Et cet après-midi, elles étaient parties pour une balade dans les jardins du château de la Ponte. Mais surprise, elles ont eu la chance de pouvoir pénétrer dans le bâtiment. J'aime bien ce château, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, enfin, il y a quelque chose qui fait que ben, j'adore ce château. Rien que de voir la façade, tout ça, et là, l'intérieur tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose, enfin, ça fait quelque chose, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est de l'histoire, en fait, d'Ajaccio, d'Alate, c'est vraiment une... Pour moi, franchement, toute la Corse, en fait, devrait savoir cette histoire. Habituellement, le château est fermé au public, mais aujourd'hui, des universitaires ont profité d'un colloque sur l'art de la diplomatie pour organiser une visite très privée à l'abri des caméras. Un clin d'œil au propriétaire initial, Charles-André Pozzo-Diborg, lui-même diplomate pour la Russie au XIXe siècle. La Corse sait faire autre chose que combattre, que la guerre, que les grands militaires, de Saint-Pierre à Napoléon. La Corse, elle sait aussi dialoguer. Elle a toujours eu une politique de main tendue vis-à-vis des autres pays européens. Un clin d'œil et une manière d'interpeller sur l'urgence d'une réhabilitation du bâtiment. Notre idée, c'est que ce château d'abord soit réhabilité et ensuite fasse partie d'un ensemble culturel avec le palais Fesch, la maison Bonaparte, les Millet. Mais il faudra encore du temps pour que le château reprenne vie. En effet, le chantier est estimé à plusieurs millions d'euros.